Salut amis bricoleuses et bricoleurs, c'est Fredo Brico. Je vous fais une petite vidéo toute simple pour rafraîchir l'été en ces temps de canicule. Une petite solution, vous prenez une couverture de survie, toute basique, celle-là est déjà un peu coupée. Vous avez un côté doré et un côté argenté. Vous pouvez les mettre sur vos fenêtres pour rafraîchir dans la maison. Donc là pour le Velux, vous retournez le Velux, il faut coller sur la partie extérieure et le côté argenté vers le soleil. Donc je vais vous montrer ça et je vous fais quelques prises de température. Je gagne là sur le fait, je viens juste de le faire, je gagne déjà 4 degrés sur le bord de la fenêtre. Et après dans la pièce, il faudra attendre un petit peu. Et le soleil est en plein sud, là, juste derrière. Donc voilà, et surtout, je vais vous expliquer, je colle ça avec de l'eau. Ben là, c'est du produit à carreaux. Alors, combien de temps ça va durer, j'en ai aucune idée. Donc, dans les commentaires, vous pourrez déjà mettre, je ne sais pas, 1 heure, 10 minutes, 1 semaine, j'en sais rien du tout et on verra ça ensemble. Et comme ça, déjà, je vois que ça fonctionne. Il fait moins chaud ici que sur l'autre Velux. Je vous montre comment on colle ça. Hop là. On se retourne. Bon, à la maison, il fait déjà frais hein, parce que j'ai le puits canadien. Donc là, je prends le petit bout. Si vous êtes en plein soleil, vous pouvez prendre. Je le retourne. Comme ils annoncent très très chaud. Et ce qui est bien, alors ce qui est bien, c'est qu'on voit à travers le film. Bon, c'est pas non plus comme une vitre. Alors là, il faut que je le colle, du coup, je vérifie que je sois du bon côté. Vu que là, c'est le carreau extérieur, évidemment, là, je mets l'aluminium à l'intérieur. Donc là, c'est le bon côté. Si vous êtes deux, c'est mieux. Vous prenez votre produit, vous n'hésitez pas à en mettre. Et après, on va positionner. C'est un peu comme sur les fenêtres de voiture où ils mettent les films. Et après, alors je ne sais pas pourquoi ça colle, c'est peut-être statique. Hein. Si quelqu'un sait, vous le dites sur les commentaires. Et après vous marouflez comme ça avec votre main. Hein. Bon, il y a des plis, mais c'est pas très grave. Hein. Le principal c'est d'avoir moins chaud. Donc là, je vais en remettre un petit peu. Ça fait un peu court. Après, vous enlevez l'escabeau. Alors, si certains d'entre eux ont une technique, après, j'aurais pu prendre une balayette hein, pour m'arouffler. Donc voilà. Voilà.
Bon, là, il y a un peu de jeu sur les côtés, mais bon, c'est pas très grave. Alors, petite prise de température sur le carreau. Zut, sur le carreau. C'est mieux. 37,3. Là, je viens de le poser, mais il est déjà en train de baisser. Et de l'autre côté, là où j'ai fait tout à l'heure, ça fait une petite. Je sais pas combien de temps je viens de le faire, là, une demi-heure peut-être. Hop. 31, je suis bien sur le carreau. Ouais. 31,8. Donc il y a bien 6 degrés de différence avec le film. Et encore, à mon avis, là, ici, là, il a déjà baissé un petit peu. Donc alors là, c'est cool. En fait, ça permet de pouvoir descendre quand même la température, la couverture de survie. Donc n'oubliez pas, côté argenté extérieur. Et puis, alors combien de temps ça va tenir juste collé comme ça avec de l'eau ou du produit à carreaux? Dites-le-moi dans les commentaires pour vous et comme ça on verra qui a raison. Alors, c'est 10 minutes, 1 heure, 1 journée, 3 jours, je ne sais pas du tout. Donc, à tout de suite dans les commentaires. Allez, bye bye et un petit pouce. Merci, ciao!